Ah. Non, sans les jeux d'enfants, les gens là, tu ne Je vois prends pas refuge mon jusqu'à l'éveil nom. dans le Bouddha, le Dharma et la Suprême Assemblée, par ma pratique de la générosité et des autres perfections. Puissais-je atteindre l'état de Bouddha pour accomplir le bien des êtres. Mes très chers, les plus précieux, les plus bienveillants, les êtres joyeux qui exaucent les souhaits et tous les étudiants, je vais continuer ce dont j'ai parlé hier. Je vais continuer sur le même sujet. De reconnaître, de réaliser que vous n'êtes pas impuissant en tant que Sangha. Quel est le mot? Yame, yomme. Il y a un mot pour cela, ne pas être impuissant. Ne pas penser qu'on ne vaut rien, qu'on est un déchet. Il y a certains membres de la Sangha qui pensent qu'ils ne valent rien, qu'ils sont comme des déchets. Certains pensent comme ça. Enfin, de toute façon, ils pensent qu'ils sont impuissants. Mais de réaliser que vous-même, vous avez cette chance incroyable. Vous êtes une héroïne, un héros, une héroïne. Et ici, il ne s'agit pas de la drogue, l'héroïne. Enfin, quoi qu'il en soit, ne tombez pas dans cette drogue, parce que parfois vous aimez la drogue, mais ici il ne s'agit pas du tout de cela. Il s'agit de réaliser que vous avez la meilleure renaissance humaine, la meilleure vie qu'un être humain puisse obtenir. Donc, le but de ma vie, le but de mon existence, ce n'est pas juste d'atteindre la libération du samsara pour moi-même, mais c'est aussi de ne pas nuire, de ne pas causer du tort, faire du mal aux êtres. Et non seulement cela, mais de leur être bénéfique aux êtres qui sont innombrables. De leur être bénéfique, de les libérer des océans de souffrance samsarique et de les conduire à l'éveil par moi-même, seul. Et donc, afin d'accomplir cela, je dois atteindre l'éveil et c'est pour cela que je vais écouter les enseignements.
Donc hier, j'ai parlé d'une personne qui aurait tué des millions de personnes, des milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes. Et pour ces gens-là, on construit, on érige des statues et on les appelle des héros dans ce monde, dans ce pays, dans votre pays. Et c'est cela dans le monde ordinaire qu'on considère être un héros. Mais vous voyez, dans la réalité, le chef des armées ou le président qui a donné l'ordre à cette personne de tuer tous ces gens, par exemple, même si lui n'a pas tué directement, il a donné l'ordre de le faire. De tuer des milliers, des millions de personnes. Et donc, si vous donnez cet ordre de tuer, cela revient au même que d'avoir tué soi-même, d'avoir fait l'action soi-même. Quand vous commandez à quelqu'un, quand vous donnez l'ordre à quelqu'un de tuer, par exemple, dans un restaurant 5 étoiles, 6 étoiles, 7 étoiles, il pourrait y avoir des poulets, des cochons. Et si vous donnez l'ordre de les tuer pour pouvoir les consommer, c'est de la même manière, ça revient au même que d'avoir tué ces animaux soi-même. Mais on ne pense pas comme ça, les gens ne pensent pas comme ça. On se dit, oh, mais je ne les ai pas tués, ces êtres-là. Mais en réalité, c'est exactement la même chose, et ça, il faut le savoir. Et donc, un restaurant qui serait végétarien, c'est incroyablement, c'est très, très bénéfique. Et c'est vraiment une protection pour les êtres humains. Ça protège les êtres humains d'accumuler ce karma de tuer. Et le résultat de ce karma de tuer nous propulse dans les renaissances inférieures, pas seulement une fois, mais pendant des airs cosmiques incommensurables. C'est ça le résultat, de renaître dans les états inférieurs de souffrance, comme les enfers, les esprits avides, les animaux, et même en tant qu'être humain. Si nous renaissons en tant qu'être humain après avoir commis une telle action, il y a tant de souffrance, votre vie devient plus courte, vous êtes malade. En fait, votre résidence permanente est dans les états inférieurs. Et ça peut durer des airs cosmiques sans fin. Et donc, par exemple, les gens qui ont des restaurants, des hôtels, veulent faire beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'ils tuent des animaux. Mais en réalité, ces animaux sont les mêmes que nous, ont les mêmes désirs que nous. Ils veulent être heureux, ils ne veulent pas souffrir. Mais vous voulez faire de l'argent, vous voulez faire tellement d'argent que vous les tuez. Et vous utilisez ces animaux comme des Kleenex. Comme des Kleenex, comme ça. Alors qu'ils ne veulent que le bonheur, ils ne veulent pas souffrir. Mais pour faire de l'argent, on les tue et on les utilise. Imaginez tous ces poissons. Vous les utilisez comme des Kleenex. Les mettez à votre disposition. Mais en fait, vous n'avez aucune idée, aucune compréhension du dharma, du karma. Et vous ne pensez qu'aux gens, à la souffrance des gens. Vous ne pensez pas aux animaux et la manière dont ils doivent souffrir. Et vous ne pouvez même pas penser au karma ou aux vies futures. Vous ne pouvez pas ouvrir les yeux sur cette situation. Car ça fait peur, très, très peur. Donc, quoi qu'il en soit, ils sont exactement les mêmes que vous, ces animaux. Ils veulent le bonheur, ils ne veulent pas la souffrance. Et même quand on les tue, quand on va les tuer, ils font du bruit. Les poissons, par exemple, ils frétillent, ils se tordent dans tous les sens. Car ils, quand on leur fait mal. Et ça, on peut le voir soi-même de ses propres yeux.
Ils ne veulent pas souffrir. Ils n'ont pas le mérite, ils n'ont pas la chance, pas le mérite d'avoir rencontré le Dharma, de comprendre le karma. Cette ignorance est comme un ciel aussi vaste qu'un ciel rempli d'ignorance, un ciel où il n'y aurait que l'obscurité, où il n'y a que des nuages. Et c'est l'esprit est comme cela, il n'y a plus de lumière, plus d'étoiles, plus de lune, il n'y a plus rien, juste l'obscurité de l'ignorance. Mais nous, on les voit et on te dit, il faut que je fasse beaucoup d'argent, j'ai besoin d'argent pour construire une maison, pour acheter tout ce qu'un être humain peut vouloir acheter. Et ça, c'est une hallucination totale. On considère que les choses... on ne pense qu'aux choses qui vont nous donner du plaisir, comme le succès. Ah, le succès, c'est une hallucination totale. Une hallucination totale. Et tout ça pour sacrifier des millions et des millions de vies. Et souffrir et souffrir. Et encore souffrir dans les états inférieurs d'existence. Et on ne peut pas voir sa propre, sa prochaine vie, c'est ça le problème. Que faire? Et donc, on a énormément de chance. C'est si précieux d'avoir rencontré le Dharma, le Saint Dharma. Et c'est ça qu'il faut réaliser. À quel point vous êtes chanceux. Vous n'êtes pas stupide. Vous êtes très loin d'être stupide. Vous avez rencontré le Saint Dharma. C'est comme ça qu'il faut penser. C'est à ça qu'il faut penser. Penser à la souffrance des êtres. Et penser à soi-même. À ce qu'on peut faire avec sa propre vie quand on a rencontré le Dharma. C'est si précieux. Pensez comme ça, reconnaissez cela, réalisez cela. Sinon, vous n'aurez pas vraiment beaucoup d'intérêt à être un membre de la Sangha ordonnée. Vous n'aurez pas beaucoup d'intérêt dans le Dharma. Et puis après, vous mourrez. Et puis soudainement, vous mourrez et c'est fini. Tout est fini. Et après, vous ne savez pas combien d'air cosmique, combien de éons vont se passer et dans quelles circonstances. Voilà. Là, Rinpoche regarde ses notes et il demande à Vénérable Sherab d'aller lui chercher des notes. Il y a trois versets du Bodhisattvacharyavatara qui sont très, très, très importants. Il faut vous en souvenir chaque jour. Et pas blablabla, mais vraiment du fond du cœur, il faut les lire. Donc, je vais les lire. Je ne les connais pas par cœur, mais je vais les lire. Donc le premier, c'est au chapitre 4, le verset 17, qui dit... Donc, écoutez attentivement. Par rapport à cette conduite,
si je continue à me conduire ainsi, je n'obtiendrai plus un corps humain. Mais si je n'obtiens pas l'état humain, je n'accumulerai que des méfaits, aucune vertu. Et puis, le verset 18, « Si au moment où j'en ai l'opportunité, je n'agis pas de manière vertueuse, que pourrais-je bien faire quand je serai omnubilé par les souffrances des royaumes inférieurs ?» Donc si je ne pratique pas maintenant alors que j'en ai l'occasion, comment est-ce que je vais pouvoir pratiquer dans les états inférieurs où il y a tant de souffrance? Quand je serai complètement, totalement ignorant et en grande souffrance dans les états inférieurs. Le verset suivant, toujours au chapitre 4, numéro 19. Si, au lieu d'accumuler des vertus, je n'accumule que des négativités, pendant 1 000 000 000 d'éons, je n'entendrai même pas les mots « renaissance heureuse ». Et ce que ça signifie ici, c'est que pour 1 000 000 000 d'heures cosmiques, 1 000 000 000 de éons, je n'entendrai même pas les voix des êtres transmigrants des renaissances supérieures. C'est-à-dire, je n'entendrai même pas la voix d'un être humain ou la voix d'un dieu. Pendant 100 fois, 100 fois des millions. Donc c'est très important de ne jamais oublier cela et de toujours s'en souvenir. Quand vous méditez sur le Lamrim, sur la voie graduée, quand vous méditez sur les trois êtres à capacité, petite capacité, capacité intermédiaire et grande capacité. Lorsque vous passez en revue tous les avantages de la renaissance humaine, à quel point elle est précieuse et qu'il ne faut pas la gâcher. Donc à ce moment-là, il faut vraiment se rappeler de ce verset qui est très important. Écrivez-le dans votre livre de prière. Et c'est comme ça, c'est cette réalité dont il faut se souvenir. Ok. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire? Que vous avez rencontré le Dharma, que vous avez rencontré le bouddhisme. Et qu'il faut donc essayer de pratiquer le plus possible, parce que c'est incroyable, incroyable, incroyable et si précieux. C'est ce que dit le Bodhisattva Charyavatara. C'est aussi ce qu'a dit enseigné le Bouddha. Et donc, je reviens sur le sujet. Je suis désolée, je me suis perdue. Il parlait de ces personnes qui ont donné l'ordre de tuer des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. Et donc, ils créent ce karma, même s'ils n'ont donné que l'ordre, en fait, ils créent le karma de les avoir tués eux-mêmes. Tous ces gens. Donc, le président d'un pays, par exemple,
Quand il donne cet ordre de tuer, de combattre, c'est exactement comme s'il l'avait fait lui-même, en réalité. Donc si vous faites cela, vous créez les mêmes karmas négatifs que la personne qui a réellement tué. Et même si vous êtes endormi, même si vous dormez confortablement dans votre sac de couchage, c'est un Dinam Drol qui suggère le sac de couchage. Plutôt si vous dormez dans un hôtel 5 étoiles, 6 étoiles, 10 étoiles, ou dans une maison, ou dans un palace. Et donc tous ces gens sont morts. Et combien y en a-t-il, hein? Parce que même si vous ne tuez qu'une personne, votre ennemi, il y a tous ses proches, toute sa famille, tous ses amis qui deviennent aussi vos ennemis. Alors, vous vous retrouvez avec 5, 10, encore plus d'ennemis. Et si vous tuez plus de gens, plus vous tuez de gens, plus vous avez d'ennemis. Et ça continue comme ça. Et ça devient exponentiel. Alors, qu'en est-il si vous tuez des millions de personnes? C'est déjà arrivé sur cette terre, plusieurs fois. Il y a des citations, mais je ne les ai pas préparées, je ne les ai pas avec moi. Quoi qu'il en soit, c'est exponentiel. Dans cette vie, et sans parler de la vie prochaine, ça continue. À cause de l'habitude, de la force de l'habitude de tuer, de ce karma de tuer, on continue comme ça, même si on est né en tant qu'être humain. Et ça peut continuer comme ça pendant des ères cosmiques innombrables. Et donc, dans le Bodhisattva Charyavatara, il est dit, c'est Nagarjuna qui dit, en fait, que si vous tuez votre colère, en réalité, vous tuez tous vos ennemis. Si vous éliminez votre colère, vous éliminez tous vos ennemis. Ça revient au même que d'avoir éliminé tous vos ennemis extérieurs. Si vous tuez votre ennemi intérieur, qui est la colère, vous tuez tous vos ennemis extérieurs. Parce que s'il n'y a pas de colère, il n'y a plus d'ennemis. À Aptos, j'ai une voiture avec une phrase qui dit, avec un autocollant sur la voiture qui dit pas de colère, pas d'ennemi. J'ai ça à l'arrière de la voiture. Et c'est pour éduquer les gens, pour les aider à comprendre. Donc, si vous voulez le bonheur et que vous ne voulez pas souffrir, donc, ne nuisez pas aux êtres. Ne nuisez pas aux êtres qui ont été bienveillants envers vous, qui ont été comme des joyaux à exercer les souhaits. Et d'où provient, en fait, tout votre bonheur? Depuis des renaissances sans commencement, de maintenant,
et aussi qui sont la source de tous les bonheurs des vies futures. Et même de la libération du samsara, et même du bonheur ultime pour toujours. Ils sont les causes de, ils sont la source de votre éveil, du grand nirvana. En fait, ils sont la source de toutes choses, de tous les bonheurs. Tout ce qu'on reçoit, on le reçoit. Mais on décide de tuer celui-ci ou celui-là, de les étouffer. Et là, c'est tout le contraire qui se passe. Et tout ça, ça provient de la colère. Et vous suivez la colère comme vous suivrez un gourou, un maître ou un roi, comme votre père, votre mère, vous l'adorez, votre colère, la pensée de l'autochérissement, votre attachement, ou en fait vous les adulez, vous les adorez. C'est comme ça, vous voyez. Alors que c'est celle-là même, c'est cette pensée même qui vous a poussé à créer du karma négatif depuis des renaissances, sans commencement. Et qui vous cause, qui crée l'expérience de cette souffrance dans les enfers, ou les souffrances inimaginables des esprits avides ou des animaux, les souffrances inimaginables même des êtres humains, des demi-dieux, des dieux. Et pas seulement cela. Mais vous heurtez, vous nuisez. Vous faites du tort à d'innombrables êtres, les êtres des enfers, les esprits avides, les animaux, les fourmis, et les êtres qui existent dans d'autres univers. Donc c'est cette colère, cette pensée d'autochérissement aussi qui vous a fait faire du mal à tous ces êtres. Et alors vous créez du karma négatif. Et vous continuez à souffrir, et c'est un cercle vicieux, le karma. Et c'est comme ça, c'est comme de se noyer dans de la boue, comme un éléphant qui serait pris dans des torrents de boue. Alors, on peut comprendre que si on tue notre ennemi intérieur, la colère, il n'existe plus d'ennemi à l'extérieur. C'est comme si on avait tué tous ses ennemis extérieurs. Donc, qu'est-ce que ça signifie qu'il faut pratiquer la patience? Que si vous pratiquez la patience, par exemple, si vous pacifiez votre colère, vous ne rencontrerez aucun ennemi, où que vous alliez. Où que vous alliez, que ce soit sur le mont Everest, sur la lune, sous l'océan, à la campagne, dans une ville, où que vous alliez, il n'y aura aucun ennemi. Vous ne rencontrerez plus d'ennemis. Ah, il y a beaucoup de citations dont je ne me rappelle pas ici maintenant. Ma mémoire est mauvaise, mais bon, c'est comme ça. Donc c'est si précieux d'avoir rencontré le Dharma, le Saint Dharma, et de pouvoir le pratiquer. C'est ce que dit Shantideva, et c'est ce qu'a dit le Bouddha. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut réaliser. Comme c'est entre vos mains, en fait, le bonheur, la souffrance, tous les jours, à chaque heure, à chaque minute, à chaque instant. Et ils sont entre vos mains. Donc, ça dépend de la manière dont vous pensez. Et si vous utilisez votre pensée de manière négative, d'une mauvaise manière, avec des mauvais concepts, des hallucinations, et que vous y croyez, alors vous créez les causes de souffrance. Et donc, ça devient un problème. La vie devient un problème. Et vous pensez. Si vous pensez de manière positive, sans avoir de mauvais concepts, de manière saine, de manière bénéfique, de manière positive, ça ne peut vous apporter que le bonheur, à vous-même et aux autres. Donc ça dépend complètement de votre état d'esprit, et ça la réalité. Donc l'éveil est entre vos mains, vous voyez. D'être libéré du samsara,
ou être dans le samsara, c'est entre vos mains. L'éveil, les enfers sont entre vos mains. Il ne tient qu'à vous, à la manière dont vous décidez d'utiliser votre esprit, que vous pratiquez le dharma ou pas, que vous pratiquiez la bodhicitta ou pas. Et donc, ici, dans le Bodhisattva Charyavatara, cinquième chapitre, le verset 13, qui dit « Où trouverai-je assez de cuir pour en couvrir la surface de la terre ? Le cuir de mes semelles à lui seul équivaut à recouvrir la terre entière. » Oui, vous pourriez essayer de couvrir la terre entière de cuir, mais il n'y aurait jamais assez de cuir. De manière à ce que vous n'ayez pas mal aux pieds, que vous n'ayez pas d'épines qui vous rentrent dans les pieds. Donc il vaut mieux couvrir ses propres chaussures. Et de cette manière, vous pourrez marcher où il vous plaît. Et vous ne vous ferez pas mal aux pieds. Donc c'est ce que dit Shantideva, c'est exactement comme ça. Si vous pratiquez la patience et que vous n'avez plus de colère, vous n'avez plus d'ennemis à l'extérieur. Non seulement cela, donc vous recevez la paix, vous êtes en paix et vous apportez la paix dans le monde. Donc en pratiquant la patience, vous apportez la paix et le bonheur dans ce monde. Même s'il y a des univers sans nombre, mais de vie en vie, vous apportez la paix et le bonheur à tous les êtres de tous les univers. Et dans ce monde. Donc, vous êtes responsable. Vous avez la responsabilité entière. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, vous avez la responsabilité de le faire. Donc, si vous êtes sangha en Occident, pour les sanghas qui vivent en Occident, ils rencontrent des gens, les autres personnes qui ne comprennent pas ce qu'est d'être bouddhiste. Ils ne comprennent pas ce qu'est un moine, une moniale. Ils ne comprennent pas ce qu'est d'être une sangha. Et parfois, ils ne vous aiment pas. Ils ne sont pas attirés vers vous parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne veulent même pas vous voir et ils pensent que vous êtes étrange. Et pour eux, c'est quelque chose de nouveau. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Mais vous voyez, en réalité, c'est vous les héros. Vous êtes les héros. Et pas le héros dans le sens ordinaire où on l'entend dans ce monde ordinaire. Non, vous êtes un héros parce que vous pratiquez le dharma. Vous pratiquez la dévotion au maître, le renoncement, le contentement. Et quand vous pratiquez le contentement, c'est la source d'une grande paix et de beaucoup de bonheur, non seulement pour vous, mais aussi pour les autres, pour vos familles. Et si vous pratiquez la bodhicitta, alors, donc là, vous obtenez toute forme de bonheur, samsarique même, jusqu'à l'éveil. Et vous apportez ce bonheur à chaque être des enfers, chaque esprit à vie, chaque animal, chaque moustique, chaque fourmi, même les tout petits insectes qu'on ne voit même pas à l'œil nu, mais avec un microscope, tous ceux qui sont dans l'eau, les êtres innombrables, les êtres humains, les dieux, les demi-dieux, qui sont innombrables. Grâce à la bodhicitta, vous leur apportez beaucoup de bonheur et jusqu'à l'éveil. Et puis en plus de cela, vous réalisez, vous étudiez la vacuité, vous méditez sur la vacuité, sur les enseignements corrects de la Matsongkhapa, sur ce qu'a enseigné Manjushri, sur ce que le Bouddha a enseigné. Donc à chaque fois que vous méditez sur le Sutra du cœur, ou vous méditez sur la vacuité, à chaque fois que vous le faites, ben, vous vous préparez à réaliser la vue prasangika, la vue sans faille, la vue ultime. Et vous éliminez la racine du samsara, l'ignorance qui considère que le jeu est réel,
alors qu'il ne l'est pas. Donc, de cette manière, vous réalisez graduellement la vacuité. Et en continuant graduellement, en unifiant shamatha et vipassana, la sagesse qui perçoit directement la vacuité, vous faites cesser le karma et les perturbations. Et donc, vous cessez, vous stoppez les causes du samsara. Et vous devenez libre, vous vous libérez de la souffrance. Vous parachevez la cessation totale de nirvana pour toujours. Il ne s'agit pas seulement d'une de vacances d'une semaine. Non, ça c'est pour toujours. Et c'est comme ça qu'il faut penser, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Forever, not just like vacation weekend, then come back. No, forever. So everything that. Okay, so what is it? So therefore. Et donc, c'est la pensée d'auto-chérissement qui est la racine du samsara. C'est l'ignorance. L'attachement, la colère émanent de cette pensée. Émane de cette ignorance qui est la racine du samsara, qui considère le jeu comme étant réel, comme existant de son propre côté. L'auto-chérissement, la pensée d'auto-chérissement cause ces souffrances depuis des temps sans commencement. Et elle est la cause de la création de tout ce karma négatif qui vous fait souffrir depuis des temps sans commencement dans les six mondes. Et alors, si à nouveau vous ne pratiquez pas le dharma, vous ne l'éliminez pas. Alors vous ferez encore et encore l'expérience du samsara, enfin, encore et encore. Donc c'est ça, il faut le savoir. Donc ça, il faut y penser, mais il faut le réaliser dans le cœur, dans le cerveau, je ne sais pas. Mais pas seulement ça. Donc ça, c'est en ce qui vous concerne. Mais cette pensée d'auto-chérissement, elle vous fait nuire aux êtres des enfers, aux esprits avides, aux animaux, aux êtres innombrables, aux êtres humains innombrables, aux innombrables dieux, demi-dieux, aux êtres de l'état intermédiaire. Et pas seulement une seule fois, mais depuis des temps sans commencement, vous avez nui aux êtres. Encore et encore. Donc si vous ne réalisez pas la voie, si vous ne réalisez pas la bodhicitta, si vous ne réalisez pas la vacuité, si vous ne pratiquez pas le dharma, alors à nouveau, encore et sans fin, vous créez les causes de souffrance, les causes de souffrance de nombreux êtres, d'êtres innombrables, à nouveau et à nouveau. Donc, si vous recevez des enseignements sur la vacuité d'un maître parfait, d'un maître accompli, sans faute, par exemple, comme ça, Saint-Denis le Dalai Lama, et il y en a d'autres qui sont parfaits. Je ne m'inclus pas dans ces maîtres-là. Moi, je suis juste un Mickey Mouse. Je suis l'animal, le paresseux, sous forme humaine. C'est comme ça que je parle de moi-même. Mais si vous recevez ces enseignements de maîtres parfaits, vous voyez, c'est incroyable, c'est une chance incroyable de recevoir des enseignements corrects sur la vacuité. Et que vous avez entendu simplement le fait de les avoir entendus, même si vous ne les avez pas étudiés, à laisser des empreintes dans votre esprit pour vous libérer du samsara. Pas seulement de vous libérer du samsara, mais aussi d'atteindre l'éveil, de purifier les obscurcissements grossiers et subtils, les obscurcissements à la libération et à l'éveil. C'est pour ça que vous êtes un héros, un vrai héros. Donc les sanghas qui ont la bodhicitta, qui pratiquent bodhicitta, qui étudient la bodhicitta, ce sont les vrais héros.
C'est l'autochérissement qui cause le samsara et des souffrances sans fin dans le samsara. C'est cela qui vous fait faire du tort aux êtres innombrables et qui les fait souffrir. C'est cette pensée d'autochérissement. Donc avec la bodhicitta, tout cela disparaît. Si vous pratiquez la bodhicitta, tout cela disparaît. Donc comme je l'ai déjà dit, elle apporte cette pensée, cette attitude, tout le bonheur jusqu'à l'éveil à chaque être, sans en laisser aucun, sans en oublier aucun, même pas une fourmi, même pas un tout petit insecte. Donc, comment ne seriez-vous pas des héros si vous pratiquez tout ça? C'est ça le héros, les vrais héros. Et ça, il faut le reconnaître. Mais bien sûr, dans son monde ordinaire, oui, un être humain qui a tué des ennemis, c'est ça qu'on désigne comme étant un héros. Mais la conscience de cette personne continuera à souffrir dans les états inférieurs d'existence, dans les enfers, pendant des ères cosmiques innombrables. Kandrola a dit, écoutez bien, Kandrola a dit que Mao Tse-tung, qui a détruit les enseignements au Tibet, qui a détruit les monastères, qui a emprisonné et tué de grands lamas, renaîtrait encore à nouveau 7 fois dans un corps humain. Donc il n'est pas encore en enfer. Il est renaît dans un corps humain et il renaîtra encore comme cela 7 fois. Je crois qu'elle a mentionné, qu'elle a dit quelque chose sur le gouvernement de la Corée du Nord, hein, je ne suis pas sûre. Quoi qu'il en soit, après c'est cette vie, il ira en enfer. Mais le karma n'est pas terminé. Le karma pour lui de renaître dans les enfers n'est pas terminé. Kandrola a parlé de cela il y a déjà plusieurs années. Et donc j'ai parlé, à ce moment-là, j'ai pris l'exemple de l'indépendance tibétaine. Donc, de la même manière, de nombreuses personnes, des millions de personnes prient pour l'indépendance du Tibet, pour l'indépendance dans leur vie quotidienne, et pour les gens, les Tibétains qui vivent en dehors du Tibet. Mais le karma négatif, quoi qu'il en soit, le karma négatif de perdre leur pays n'avait pas été purifié avant. Et c'est pour ça qu'ils l'ont perdu. Et une fois que le résultat s'est produit, alors c'est très difficile de changer quoi que ce soit. C'est incroyablement difficile. Même si vous faites beaucoup de puja, des millions et des millions de personnes font des prières, mais ce n'est pas facile. On peut utiliser cet exemple pour comprendre le karma. Et le karma n'est pas facile à comprendre. Il faut être très prudent avec le karma. Ne pensez pas que, par exemple, de tuer des cochons pour se nourrir, que ça ne fait rien, que ce n'est pas grave. Enfin, je prends ça comme exemple, mais ça pourrait être autre chose. Mais en termes de karma négatif, quand on ne connaît pas tous les résultats de ces karmas, les souffrances qui en résultent, par exemple le résultat à pleine maturation, qui est de renaître dans les états inférieurs, et de faire l'expérience des 3 types de souffrance en tant qu'être humain, des résultats similaires à la cause, les résultats environnementaux, les résultats qui font que nous répétons ces actions à nouveau. Donc les gens qui n'ont pas de clairvoyance, qui n'ont pas de compréhension, ils ne reconnaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ces résultats. Les résultats du karma négatif. Et donc, de cette manière, il est facile de penser « Oh ben, c'est pas grave ». Mais quand vous commencez à faire l'expérience des résultats des souffrances, et que c'est pour des aires cosmiques innombrables,
c'est-à-dire des centaines de milliers de millions d'aires cosmiques, alors là, c'est vraiment difficile. Quand il faut supporter les résultats, ça n'est pas facile. C'est pour ça que j'utilisais l'exemple de l'indépendance du Tibet, parce que c'est pas facile. Hein. Donc il faut faire très attention au karma et ne pas se raconter d'histoires. Donc vous voyez, vous êtes les héros. Vous, la sangha, être les vrais héros. Est-ce que vous le voyez? En fait, on devrait faire des statues de vous hautes comme le mont Everest. Et on devrait expliquer la manière dont ces sanghas vivent, comment elles vivent leur vie, en pratiquant la bodhicitta, en méditant sur la vacuité et en pratiquant le tantra. Surtout cela, c'est la voie rapide qui peut vous libérer très rapidement et obtenir l'éveil. Cette voie qui fait cesser toutes les vues dualistes, les concepts ordinaires, c'est la voie rapide vers l'éveil. Dans cette vie, en une vie. Et donc, et même encore plus rapide, est la pratique des hauts tantras pour achever l'éveil dans une vie brève de cette ère de dégénérescence. Donc, vous devez ressentir que vous êtes les vrais héros. Les vrais héros, c'est vous, la sangha. Ok? C'est cela que je voulais clarifier. C'est une réalité qui est complètement différente de celle du monde ordinaire, de celle des gens ordinaires, de ce que les gens pensent habituellement qu'est un héros. En général, on pense qu'un héros, c'est quelqu'un qui a tué d'innombrables ennemis, qui a tué tous ses ennemis. Mais ça, en réalité, ça crée les causes de souffrance pour des éons sans fin. Et en plus, ça crée les causes pour que d'autres êtres créent le karma de vous faire du mal. Il y a un autre verset dans le Bodhisattva, chapitre 6, verset 106. Qui dit... If you haven't created harm, si vous n'avez nuit à personne, personne ne peut vous nuire. Donc si vous n'avez pas créé ce karma, si vous n'avez pas fait du tort, nuit ou fait du mal aux autres, personne en retour ne peut vous faire du mal. C'est ça le karma, vous voyez? Et ça, il faut le savoir. Donc, chaque jour, nous devrions être attentifs au fait que si quelque chose de bon nous arrive, quelque chose qui nous est agréable, des richesses, par exemple, ça nous provient d'un karma positif. Le karma d'avoir été bénéfique aux autres. Et donc, si vous faites ça, vous êtes bénéfique aux autres, vous recevez de l'aide de la part des autres, les autres vous aident. Et à chaque fois que quelque chose de désagréable arrive, c'est à cause de la pensée d'auto-chérissement. Quelque chose de désagréable qui vous arrive, quelque chose qui déplaît à la pensée d'autochérissement, qui déplaît à votre attachement. Quelqu'un qui vous regarde de travers, avec le nez en l'air, qui vous prend de haut, qui vous parle mal, qui ne vous dit pas ce que vous souhaiteriez entendre, qui n'est pas humble avec le corps, la parole, l'esprit, qui n'est pas sympa, qui font des choses qui ne vous plaisent pas.
quelles que soient ces choses, ou des obstacles que vous pourriez avoir avec l'environnement, avec la terre, l'eau, le vent, le feu, ou les gens. Il faut quand on rencontre ces situations déplaisantes, il faut immédiatement se souvenir que c'est le résultat de mon karma d'avoir nui aux autres, d'avoir fait du mal aux autres. Il faut s'en souvenir immédiatement pour éliminer cette colère. Et là, il y aura la paix, si on élimine cette colère. Votre esprit sera en paix. Donc il faut purifier absolument ce karma négatif. La solution, c'est ça. Il y a un autre verset en Bodhisattva Charyavatara, au chapitre 6, le verset 47, qui dit incité par mes propres actions, ceux qui me nuisent se manifestent. Si à cause de cela, ces êtres vont en enfer, n'est-ce pas moi qui les ai détruits, qui les ai projetés dans le gouffre des enfers? Donc en fait, c'est à cause des karmas, de mes karmas passés, que j'ai fait du tort à autrui. Et à cause de cela, eux en retour créent des karmas négatifs. Ils me nuisent. Et donc, si ils me nuisent, c'est de ma faute. Parce qu'ils ont répondu. Ils m'ont nui parce que je leur ai nui. Donc, c'est ma faute. S'ils me nuisent, et c'est ma faute si ils renaissent dans les enfers, dans le gouffre des enfers. Même s'ils sont maintenant dans un corps humain, mais en réalité, s'ils me nuisent, s'ils créent des karmas négatifs, dans la vie prochaine, ils renaîtront dans les enfers. Donc, non seulement vous causez leur renaissance, vous causez le fait qu'ils fassent des karmas négatifs, mais du coup, le résultat pour eux, c'est de renaître dans des états d'existence inférieurs, comme les enfants. To not be human being, you know, from that you born in hell, realm, to fall in the hole of the hell. Oh, dagat sa niya to, dagat sa malag mo. Din causes. Oh, so. Et donc ces êtres qui vous ont fait du mal, en réalité, ils ne sont des objets, ils ne sont que des objets de compassion. Ils ne sont jamais un objet de colère. Ils ne sont jamais un objet de votre colère. Et en fait, impossible de leur nuire, de leur faire du mal en retour avec le corps, la parole et l'esprit. C'est impossible. Il faut simplement les aider à ne pas faire de mal, à ne pas nuire aux autres. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Par exemple, vous pouvez réciter Om Mani Padme Hum à un malin et le dédier à toutes ces personnes pour qu'elles ne soient pas, à tous ces êtres pour qu'ils ne renaissent pas dans des états inférieurs. Juste par cela, ça peut aider. C'est un exemple que je vous donne, mais il y a beaucoup de choses à faire. Dédier vos mérites pour ces personnes pour qu'elles ne renaissent pas dans des états inférieurs et pour qu'elles actualisent la bodhicitta. Donc vous voyez, vous pouvez aider. Il y a beaucoup, beaucoup de façons d'aider. Vous pouvez penser à beaucoup de façons de les aider. Donc, et en plus de cela, cela empêche la colère de s'élever. Donc ils sont purement un objet de compassion. Et ça, c'est penser comme ça. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut que vous réalisiez la Sangha, que vous êtes les vrais héros.
pas un héros. La manière dont on l'entend dans ce monde ordinaire, pas un héros qui aurait tué des gens, des ennemis, qui sont en réalité bienveillants, précieux, très précieux, des êtres tels des joyaux à exaucer les souhaits. Donc, les gens qui comprennent cela, qui comprennent que les êtres ont été, nous ont été bénéfiques, ceux qui comprennent cela sont des héros. Donc, vous êtes des héros. Your practice, your meditation, your practice, life is to defeat the delusion. Donc, par la. C'est la souffrance, que vous avez causé aux autres et qui vient des perturbations comme la colère, l'ignorance, l'attachement, etc. Que vous arrivez à vaincre par la pratique de la méditation, par la pratique. Vous éliminez toutes ces perturbations. Et donc vous triomphez de cette manière de toutes les souffrances et de celles des autres êtres. Vous triomphez des trois poisons de l'esprit. Vous triomphez, vous éliminez ces perturbations. C'est pour ça que vous êtes des vrais héros. Les autres personnes qui sont des dirigeants, ils sont totalement esclaves de leur ego, totalement esclaves de l'autochérissement, totalement esclaves de l'ignorance depuis des temps sans commencement. Et c'est à cause de cela qu'ils décident de tuer des êtres. C'est comme ça. Donc les vrais héros sont ceux qui triomphent définitivement des perturbations qui causent les souffrances de vous-même et des autres. Toutes les souffrances passées, présentes, futures, toutes comme proviennent des perturbations. Vous le voyez. Donc vous triomphez de ces perturbations, vous pratiquez la moralité, vous vivez dans l'ordination. Donc ça, il faut le savoir. Il faut le reconnaître. C'est pour ça que vous êtes devenu moine ou monial. Et donc, c'est vous les héros. Ok. Rinpoche s'adresse à Roger pour lui demander si l'enseignement est terminé. Ok, finito. Donc on continuera demain, parce que je n'ai pas encore terminé. Mais peut-être que je ne terminerai pas cette année, et peut-être même pas la vie prochaine. On va dédier. Maybe next life, maybe not. Okay. Face aux mérites du passé, présent et futur accumulés par moi-même, grâce à ces mérites des trois temps accumulés par les innombrables êtres, les Bouddhas, qui sont la source de tous les bonheurs, de tous les succès, jusqu'à l'éveil. Pour moi-même et pour les autres êtres, c'est-à-dire la racine qui est la bodhicitta, puisse-t-elle être générée dans mon propre esprit, dans l'esprit de tous les êtres, des êtres innombrables qui sont dans les enfers, qui sont des esprits avides, des animaux, ceux qui vivent dans les océans et qui sont si petits que l'on ne peut pas les voir à l'œil nu, mais seulement avec un microscope, ceux qui sont aussi grands que des montagnes, que des baleines, tous ces êtres innombrables qui sont partout dans le monde, dans les buissons, dans les arbres, tous les êtres humains et dans les innombrables univers. Tous les devas, les dieux, les demi-dieux, puissent la bodhicitta être générée dans leur cœur, sans délai, sans perdre une seconde. Et puissent la précieuse bodhicitta naître là où elle est.
et n'a jamais décliné de là où elle est, et jamais s'accroître de plus en plus. Samsara et Nirvana n'ont pas un atome d'existence propre, alors que la production des effets en dépendance de leur cause est infaillible. J'implore votre grâce afin de saisir le sens de la pensée de Nagarjuna, que ces deux aspects sont complémentaires et non contradictoires. Donc, tous les gens qui sont morts dans les guerres, hein, qui sont morts dans des conditions difficiles, et en particulier ceux qui sont morts du corona, du virus, dans de nombreux pays, commençant par la Chine, et qui se développent au Népal et en Inde, où règne le chaos, où tout est hors de contrôle. Tous ceux qui sont morts à Delhi, où il n'y avait pas assez de bois pour brûler leur corps. Le directeur de Tushita, Deni Renuka, m'a dit que de nombreuses personnes avaient simplement disparu. C'est ce qu'elle a dit. J'allais mentionner quelques mantras à réciter pour elle, mais on n'a pas fait aujourd'hui, on ne les a pas récités aujourd'hui. Habituellement, elle m'a dit qu'elle ne m'aurait pas écrit pour me parler de tout cela, mais elle est vraiment très préoccupée par cette situation de ces gens qui disparaissent. Donc, pour tous ces gens qui ont disparu, qui ont été malades, qui sont morts du virus, dans toute leur vie, puissent-ils toujours renaître dans des états d'existence supérieurs. Ne jamais renaître dans des états d'existence inférieurs, puissent-ils rencontrer la Matrukapa et les maîtres parfaits du Mahayana, et ne jamais être séparés de la voie admirée par tous les Bouddhas, et ne jamais être séparés des maîtres, ne serait-ce que pour une seconde, et d'actualiser cette voie. Et puis tous ceux qui sont renés dans les états d'existence inférieurs immédiatement sont libérés. Et dans toutes mes vies, grâce au conquérant Lama Tsongkhapa, agissant comme l'ami vertueux direct du Mahayana, puissais-je ne jamais me détourner, même pour un instant, du chemin excellent doué par les victorieux. Dans toutes mes vies, pour ne jamais être séparé de maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma en parachevant les qualités des terres et des chemins, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara.
Et puis-je rencontrer les enseignements du victorieux Lama Tsongkhapa, qui vécut dans la pure moralité, avec un cœur courageux. Grâce au mérite du passé, présent et futur accumulé par moi-même, grâce au mérite des trois temps accumulés par les innombrables êtres et les bouddhas, puis tous les êtres, les gens qui sont morts du virus, tous ces êtres puissent-ils renaître dans une terre pure où ils atteindront l'éveil, ou au moins ils recevront une parfaite renaissance humaine, rencontrer les enseignements du Mahayana, rencontrer un maître qualifié du Mahayana qui révélera la voie parfaite jusqu'à l'éveil, puisse-t-il plaire à ses gourous jusqu'à ce qu'ils atteignent l'éveil le plus rapidement possible. Donc ici à Copan, la moitié des moines ont été infectés par le virus, à peu près la moitié. Il y en a trois qui sont à l'hôpital et qui ont des difficultés à respirer. Il y a l'ex-Gekou, qui fait la discipline et qui a fait une retraite de 3 ans à Yamantaka. Il y a un moine mongol et un lama Gyupa, très jeune, et ils ont tous les trois des problèmes respiratoires. Grâce à ces mérites du passé, présent et futur accumulés par moi-même, par vous, au mérite des trois temps accumulés par les innombrables êtres, les bouddhas, des trois temps du passé, présent et futur, plus les moines de Copan qui ont contracté le virus, en être totalement libérés dès maintenant, sans délai, sans même une seconde de délai. Et puisse-t-il utiliser cette maladie, l'utiliser sur la voie pour parachever l'éveil le plus rapidement possible. Ces trois moines, ils sont à l'hôpital. Grâce à tous ces mérites accumulés par moi-même, ces mérites des trois temps, accumulés par tous les êtres et les bouddhas innombrables, puisse-t-il guérir très rapidement, immédiatement, et être libéré des dangers, immédiatement. Et puisse-t-il utiliser ces circonstances sur la voie pour parachever l'éveil, comme la bodhicitta, la vacuité, les réalisations tantriques et tout cela. Tout cela devenir la voie. Mais de la même manière, puisse le virus devenir la voie vers l'éveil. Mais pas tout le monde ici a contracté le virus, seulement certains. Je pense moins de la moitié. Ils vivent dans l'harmonie, dans la pure moralité. Ils vivent dans les règles monastiques, la discipline du dharma. Ils ont les circonstances pour vivre dans la pure moralité. Et puis ils pratiquent sur la base de cela. Ils pratiquent les trois entraînements supérieurs. Ils pratiquent les enseignements qu'ils ont reçus, les 10 dharmas, la conduite, la discipline. Et puisse toute cette conduite, cette discipline, puisse toutes ces qualités s'accroître et ne jamais dégénérer. Then I practice on the basis of that practice, the three trainings, then transmitted teachings, the Chebasket teachings, the ten dharma conduct, then increase.
Et puissent les moines et les moniales de la FPMT extérieurement avoir le comportement pacifié et discipliné des auditeurs. Intérieurement, s'être bien entraîné avec la bodhicitta. Secrètement, poursuivre le yoga de la physicité, de la vacuité des deux stades et actualiser tous les enseignements du victorieux. Et puis, grâce à ses mérites du passé, présent et futur, les mérites accumulés par moi-même, les mérites des trois temps accumulés par des êtres innombrables et des innombrables Bouddhas, tous ceux qui me voient, qui se rappellent de moi, qui me touchent, qui m'entendent, qui me parlent, puissent tous ces êtres être libérés de leur souffrance, puissent toutes leurs souffrances être pacifiées et puissent-ils atteindre le bonheur jusqu'à l'éveil. Puissent-ils purifier les cinq karmas extrêmement négatifs d'avoir tué son père, sa mère, un arhat, causé un schisme dans la sangha, causé le sang d'un bouddha de couler. Puissent tous ces actes extrêmement négatifs qui causent une renaissance en enfer sans passer par l'état intermédiaire, qui cause une renaissance dans l'enfer Nyalwan Armé, qui est le plus lourd des enfers, où on fait l'expérience des plus grandes souffrances. Puissent tous les êtres ne jamais être renés dans ces états-là. Donc il y a des mantras qu'on peut réciter et qui font que quand les êtres vous voient, ils purifient leur karma négatif. Il y a un certain mantra qui fait que quand on les récite à les êtres qui nous voient, qui nous touchent, ils sont purifiés de tous ces karmas négatifs. Je suis censé, moi, donner des bénédictions, mais toucher leur tête, et quand je les touche, enfin bref, j'ai raconté cette histoire hier. Donc cette prière, elle inclut, elle dit en fait, chaque fois que je les touche, puis-je leur être bénéfique. Que ce soit de près ou de loin, même par l'intermédiaire d'une photo, puisse-je, comme je l'ai dit dans mon histoire hier, puisse-je leur être bénéfique. Donc par le simple fait de me voir, de m'entendre, de penser à moi ou de se souvenir de moi, de me toucher ou de me parler, puissent toutes les souffrances des êtres instantanément, être instantanément apaisées, puisse-t-il y avoir du bonheur pour toujours. Et puis la dédicace de Nagarjuna, la méditation sur Tonglen. Toute la souffrance endurée par les êtres transmigrants puisse-t-elle mûrir en moi. Tous les mérites et leurs résultats de bonheur que j'accumule puissent les autres en bénéficier.
While everything's totally empty from their own side. It appears we believe. Pendant que chaque chose est vide de son propre côté, alors que les choses sont vides de leur propre côté, elles apparaissent tout de même et nous y croyons, en particulier pour les personnes qui n'ont pas réalisé la vacuité, qui ne voient pas tout comme un mirage, une illusion. Les êtres apparaissent et quoi qu'il apparaisse, tout a l'air d'exister de son propre côté et il croit en cela. Le jeu, l'action, l'objet, le samsara, le nirvana, l'éveil, les enfers, les bonheurs quotidiens, les problèmes, tout cela, tout ce qui existe et semble exister de son propre côté, alors que tout est totalement vide d'exister de son propre côté. Alors, grâce au mérite des trois temps, du passé, présent et futur accumulé par moi et tous les êtres, les innombrables Bouddhas, puisse le jeu actualiser la bodhicitta et conduire tous les êtres à cet état. Lead all the sentient beings to that Buddha. Puissais-je les conduire à cet état de Bouddha par moi-même, seul. By myself alone. Tout comme le héros Manjushri ainsi que Samantabhadra ont réalisé les choses telles qu'elles sont, je dédie tous ces mérites afin de suivre leur exemple par cette dédicace louée comme parfaite par les victorieux, ceux ainsi à l'élite maintenant, je dédie toutes ces racines de vertu afin de pouvoir accomplir des œuvres nobles. Et puis, rappelez-vous de sa sainteté, le Dalai Lama, de la bienveillance de sa sainteté, que tous les bonheurs dont vous faites l'expérience et dont les autres font l'expérience proviennent de lui. Et faisons la requête qu'il obtienne une longue vie et que tous ses souhaits se réalisent. Clair la voie de l'unification, de la compassion. À celui qui tient le plus, Seigneur, je fais cette requête. Puisse tous vos souhaits sacrés s'accomplir spontanément. Pour la longue vie de l'Amazo Parimpoche, vous qui maintenant l'attitude du conquérant et soutenant, préservant et propageant l'enseignement de l'Ama Tsongkhapa, œuvrez comme le serviteur imperturbable de toutes choses. Vous qui êtes accompli
Par la force de votre excellente aspiration qui rend hommage aux trois rares et sublimes, veuillez demeurer longtemps comme mon sauveur et celui de vos autres disciples.